vous dis, il n'y a pas d'entraînement et pas de problème. Mais pour nous, ce sont des problèmes du monde. Parce que ça n'affecte pas la vie du parti. Et c'est des contradictions entre des personnes. On exhorte les responsables à ne pas les minimiser, à de les capitaliser, les gérer au fur et à mesure que les problèmes se posent. C'est pourquoi nous envoyons les membres du comité central au niveau de toutes les structures qu'on a créées pour faire l'état des lieux et remonter les gens. Général, comment vous appréciez la lutte contre la corruption engagée par le président de la République? C'est une très bonne chose. Vous savez, au départ, on disait que le président vient pour emprisonner tous les Guinéens. Au départ. Mais il a montré au bureau aussi du national et international qui n'avait pas l'intention, n'est pas venu au pouvoir pour essayer de mettre les Guinéens en prison. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il faut quand même tirer les leçons et prendre les dispositions qu'il doit. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. Donc vous appréciez cet acte, hein? Donc le parti accompagne et apprécie l'acte. C'est-à-dire que la gestion doit être accompagnée par le contrôle. On dit que c'est la présence du gendarme qui discipline. Alors moi, la direction nationale apprécie la plus d'intérêt. Il faut que vraiment le contrôle soit effectif dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. C'est bon. Viens à l'autre côté.